une étude d'avocat est assujettie à la TVA. Première opération, on vous demande d'enregistrer l'envoi de factures à des clients pour un montant de 50 000 francs hors taxes. Alors, depuis qu'on a vu le chapitre de la TVA, il faudra tenir compte à chaque fois d'éléments de taxation liés à la TVA, justement. Et ici, on vous dit que l'entreprise est assujettie déjà, donc il faut tenir compte de la TVA. Et vous avez un montant hors taxe, et il faudra ajouter donc la TVA au montant de la facture. Ici, donc, on envoie une facture à des clients, vu qu'ils ne payent pas tout de suite, on va mettre un compte d'actifs qui augmente au débit, donc le compte client. Et ça provient donc d'honoraires. Les honoraires s'élèvent à 50 000 francs hors taxes. Et à chaque fois qu'on vend une prestation ou une marchandise, on va donc facturer de la TVA qui n'appartient pas à l'entreprise. Donc l'entreprise fait l'intermédiaire entre l'AFC et le client, donc il va collecter de la TVA, mais cet argent ne peut pas être gardé par l'entreprise. C'est pourquoi on va utiliser un compte de dette ici. Donc l'augmentation d'une dette s'inscrit au crédit. Et le montant de la TVA, qui est de 4 000 francs ici, donc à 8%, 50 000 fois 8%, ça fait 4 000 francs. Et finalement, on va facturer donc au client 54 000 francs, donc qui correspondent à nos 50 000 francs d'honoraires, plus les 4 000 francs de TVA qu'on ne va pas pouvoir garder pour nous, c'est pourquoi nous utilisons un compte de dette. Ça, c'était l'opération 1. Pour l'opération 2, nous devons comptabiliser l'achat à crédit de tablettes numériques pour un montant de 4 320 francs, cette fois TTC, donc toute taxe comprise, c'est-à-dire que la TVA est incluse dans les 4 320 francs. Donc, les tablettes, ça s'apparente à de l'informatique. Ici, on va utiliser un compte IP, donc on a soit le compte impôt préalable sur marchandises achetées, ce qui n'est pas le cas ici, vu qu'on achète non pas des marchandises destinées à la revente, mais un actif immobilisé, donc quelque chose qui va rester durablement dans l'entreprise. Donc c'est le compte 1171, impôt préalable sur investissement et ACE, qu'on va débiter ici. Donc c'est un compte d'actifs qui va augmenter, et c'est une valeur qu'on va pouvoir récupérer justement avec le décompte TVA à la fin du trimestre. Donc plus d'informatique, plus d'impôts préalables, et vu que c'est un achat à crédit, on va utiliser le compte autre date. Ce qu'on doit, c'est 4 320 francs. Et il s'agit donc de faire maintenant l'extraction de la TVA, prélevée donc 8% sur ce montant et indiquer le montant net au niveau de l'informatique. Donc les 4 320 francs sont TTC, donc ils sont à 108%, vu qu'il y a 8% de TVA qui sont incluses dans ce montant. On va diviser par 108, donc, et fois 100, ce qui nous fait 4 000 francs. Donc, on a 4 000 francs pour l'informatique et la différence de 320 francs correspond à la TVA récupérable.